Ne t'inquiète pas, il n'ira pas loin. On va l'avoir, t'inquiète pas. Saisissez-le! Sur le lieu du crime. Alors t'es là pour nous divertir, c'est ça? Très amusant. Maintenant, je vais te montrer ce qui me fait vraiment rire. À l'avenir, ne t'écarte plus du droit chemin. Chose que tu aimerais bien récupérer. Ah, tes enfants te manquent peut-être. Oh, Ezio Auditore. Quelle agréable surprise. Laissez-moi deviner, vous êtes les frères Orsi? Ludovico. Et Checco. C'est bien nous, à ton service. Basta! Qu'avez-vous fait de mes enfants? Relâchez-les! Bien sûr, signora. Nous serons ravis de te les rendre, ou plutôt de les échanger, disons, contre une carte. Je crois que tu oublies la pomme, mon cher frère. Ah oui, et la pomme, c'est vrai. Si tu refuses, je me ferai un plaisir d'égorger ta progéniture. Bastardi! Comment osez-vous me menacer? Je ne vous donnerai rien. Vous avez mes enfants? Gardez-les. J'ai tout ce qu'il me faut pour en faire d'autres. Si tu changes d'avis, ils seront dans le village aux abords de la cité. Tu as une heure! Caterina, non. Je ne peux pas vous laisser sacrifier vos enfants. Mais je n'ai pas l'intention de les sacrifier. Vous allez me les ramener, Ezio. Oui. Vous avez ma parole. La pomme sera en sécurité dans la citadelle. Veille sur elle. Checco et Ludovico Orsi, lassés de vous.
porte là-bas. Allez, encore un mercenaire. Je connais cette région. Il est sûrement à la fin. Il est là. Je suis là. Allez, attrapez-le. À moins que tu ne te... Personne. Le voilà. Ça sera pas long. Tu ne peux pas fuir. Accepte-le et rends-toi. Fichez le camp. Non, tu ne dois pas s'enfuir, je le vois. Là-bas. Vous n'avez aucune chance. Ma maman va vous frotter les fesses. Dans ma famille, les femmes ne sont pas des mauviettes. On est jolies, mais il faut pas se fier aux apparences. Papa en sait quelque chose. Grazie, grazie, messere. Mais mon frère, il retient Ottaviano auprès du phare. C'est peut-être notre âme. Je suis sûr de l'avoir déjà vu. Mais où est-il? Qu'est-ce déjà vu fait? Je suis peut-être sûr de l'avoir déjà vu. Je suis déjà vu. C'est peut-être notre âme. Oh!
Palazzo. Tu te crois meilleur que nous? Allez, plus vite! Il va nous échapper! Le voilà! Là-bas! Commis une erreur en t'envoyant. C'est toi qui as commis une erreur en te montrant aussi cupide. Est-ce qu'au moins ça en valait la peine? Plus que tu ne le crois. Le maestro a eu ce qu'il voulait, grâce à moi. Tu peux emporter ta fierté dans la tombe. Elle ne te servira à rien. Requiescat in pace. Il est tombé sur la tête. Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. On dirait un code de César inversé. Il suffit de remplacer ces lettres ici, et c'est terminé.
pris ton... Vous serez satisfait, je vous le garantis. Ah, allez, mes amis. Vous avez déjà meilleur mis. Je me disais aussi. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je suis désolée, Ezio. Vraiment désolée. Pourquoi ? Ce n'était qu'une ruse pour nous faire baisser notre garde. Peu après ton départ, ils ont lancé une autre attaque. Checco Orsi, il a la pomme. Quoi ? Non ! Où est-il ? Nous l'avons suivi jusqu'ici. Mais ce bastardo s'est enfui dans les montagnes. Je vous laisse. Côté de Monte Pocciolo, mais une nouvelle fois nos âmes en péril. Non, reculez, arrêtez. J'espère pour lui qu'il vient en paix. J'ai l'impression que c'est bizarre d'abord. Miséricorde. On va essayer de maintenir en vie. Voir une figure aussi illustre. Les intrus, je les tue. Me voilà, mon frère. Aspetta, aspetta. À ta place, j'éviterai. Vite, il s'échappe. Le voilà, vite, arrête-le. Oh, il a trébuché. C'est bloqué. Elle est prête. On n'ira pas plus loin. Tu respires encore ? Mais c'est pas normal, ça. Saisissez-le ! Alors, tu as récupéré ta relique ? Tout ce sang versé, ça en valait la peine. Un objet d'une si grande valeur, crois-moi, tu ne le garderas pas longtemps. C'est ce que nous verrons. La cupidité n'engendre rien d'autre que le malheur. Requiescat in pace. Là-bas ! Attendez. Non. Qui êtes-vous ? Non. Ne l'ouvrez pas. Ezio, Dieu merci, tu es revenu à toi. Est-ce que ça va ?
Qu'est-il arrivé? Je l'ignore. C'est un de mes gardes qui t'a trouvé dans les collines. Près du cadavre de Keiko Orsi. Ouais. Je me souviens. Attends. Il y avait quelqu'un d'autre. Il a pris la pomme. Qui? Il portait une bure noire, comme les moines. Et je crois qu'il lui manquait un doigt. Oui, Katerina, je dois partir, tout de suite. Bien sûr. Tiens, tu risques d'en avoir besoin. La carte dont parlait Niccolò, que ton époux... Ex-époux, mio caro. Il s'était juré de retrouver la trace de toutes les autres pages du Codex. Tu récupéreras la pomme, mais tu n'arriveras pas au sanctuaire sans cette carte. Ezio, il y a une abbaye dans les marais près d'ici. J'y ai vu des moines vêtus de noir. Commence par là. Allez, retrouve la trace de ce maudit moine. Tu vas beaucoup me manquer, Katerina. Oh, ils disent tous ça. Essayez de traverser aux heures des repas, sinon... Prévoyez-vous. Avise à la population. Des récentes campagnes et l'épidémie de peste ayant décimé la population... Le soir, il est tous les enfants de Dieu, qu'on se le dise. Bien, une autre fois. Eh bien, qu'avez-vous, mon ami? Entrez, mes... Ce n'est rien. Passez une bonne journée. Nos fonds ayant été dilapidés par l'ancien recteur qui a depuis été exécuté, la fête annuelle qui devait se tenir pour le grand rôle a dû être annulée. Voilà que mon époux se met à fréquenter des femmes de petite vertu. A-t-il seulement pensé à ma réputation? Je veux qu'il paie pour cet affront. Ne laissez pas s'enfuir! Espèce d'idiot!
Je suis désolé. Je regrette. Non, Boubou. Je vais rentrer à la maison. Je le jure. Là-bas. Allez. Salut. Hey, forza. Bravo, bravo. Pronti. Là-bas. Pas de ça, là-bas, avec moi. L'autre jour, j'ai dû abattre un beau qui était mal en point, il a le même regard résigné. J'en suis sûr. J'attendais un peu. Oui. S'enfuir. Que Dieu vous bénisse. Grazie. Je me demandais si vous pourriez m'aider. Que puis-je faire pour vous? Je cherche un moine en bure noire, à qui il manque un doigt à une main. Eh bien, le frère Guido n'a que 9 orteils. À une main, dites-vous? C'est ça, oui. Il y aurait bien le frère Domenico. Le malheureux a perdu son bras gauche. Je vous le répète, c'est un doigt qui lui manque. Attendez un peu. Je me rappelle effectivement un moine qui portait une bure noire et qui n'avait que 9 doigts. Et oui, oui, bien sûr, c'était lors d'une fête à l'abbaye de San Vincenzo. Oui, je connais cet endroit. Je vais me rendre là-bas. Grazie. Allez en paix. Je n'y manquerai pas.
Pardonnez-moi, mon frère. Je me demandais si... Ah ! Maudit démon, c'est encore toi ! Va-t'en ! Ça ne va pas ? C'est toi qui as tué le frère Stefano ! Attention ! Le tueur de moines est de retour ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi tranquille ! Je vous en prie ! Offre de récompense ! Pitié, je ne veux pas mourir. Je ne tue que les meurtriers. Et votre frère Stefano avait du sang sur les mains. Je suis sûr que ce n'est pas votre cas. Maintenant, écoutez-moi. Je cherche un moine portant une bure noire à qui il manque un doigt. À qui il manque un doigt, dites-vous? Vous voulez parler du frère Savonarola? Savonarola? Qui est-ce? Vous le connaissez? Oui, il était l'un des nôtres, autrefois. Et maintenant ? Eh bien, nous l'avons encouragé à prendre une retraite amplement méritée. J'ai bien peur que pour lui, les vacances soient terminées. Savez-vous où il se trouve ? Attendez, Santo Spirito, à Florence ? C'est là qu'il a étudié ? Il a peut-être eu envie d'y retourner ? Je vous remercie. Allez en paix, mon frère. Hey Desmond, cette mémoire génétique est réparée. Tu devrais essayer de l'ouvrir. Si Piero avait ne serait-ce que le dixième du talent de son père, nous serions encore chez nous. Nous n'aurions jamais dû accueillir ce moine dans la cité. Regardez tout le malheur qu'il a causé. Tu vas finir par te fatiguer, je le dis! Merde! Il va sortir, je le vois! Il est là!
Je vais te couper en deux! C'est ça, vas-y! Montre-leur! L'assassin revenait à Florence. Il nous libérerait de cette tyrannie. L'assassin n'est qu'un mythe, une histoire qu'on raconte aux enfants. Bonjour, Ezio. Tu as choisi le bon moment pour rentrer au pays. Alors c'est vrai? Ce Savonarola a pris le contrôle de Florence? Oui. Et avec l'aide de cette maudite relique, à n'en pas douter. Dans ce cas, nous devons la récupérer. Ce sera sûrement plus difficile que tu ne crois. Comme c'est étonnant. Explique-moi la situation. Marchons un peu. Tout a commencé il y a quelques semaines. Cet homme, autrefois honni de tous, a soudainement fait l'objet d'un culte. Ah, la pomme. Pas seulement. Ce n'est pas la cité qui l'a ensorcelé, mais ses chefs. Ceux qui ont de l'influence et du pouvoir. Aujourd'hui, ils exécutent ses volontés et tyrannisent les citoyens. Le peuple se comporte comme s'il n'avait pas son mot à dire. Ezio, le peuple remet rarement en question l'ordre établi. Et c'est à nous, assassins, qu'il incombe de lui ouvrir les yeux. C'est bien l'emblème des Borgia que je vois sur ces cadavres? Oui. L'Espagnol continue d'envoyer ses soldats à Florence, et Florence continue de les lui renvoyer, le plus souvent en petits morceaux. Alors lui aussi sait que la pomme est ici. Voilà qui n'arrange pas nos affaires. Restez près de moi. Jamais vu une cape. Hey, je suis cherché. Le voilà. Arrêtez-le. Ici, allons-y. Allez-y. T'es à moi. Où est ta panière, Sandra? Les trucs. Thank you.
jeter un coup d'œil sur les derniers modèles dessinés par le plus génial des créateurs, moi. Buongiorno. Assaut direct serait trop risqué. Tu as raison. Mais alors, que proposes-tu? Mis à part les chefs de la cité, les habitants ont toutes leurs facultés, c'est exact? Oui. Donc ils ne soutiennent pas Savonarola par choix, mais parce qu'ils y sont contraints. Oui. Nous allons utiliser la situation à notre avantage. En réduisant ses lieutenants au silence et en provoquant une révolte, nous détournerons son attention, et je pourrai passer à l'acte. Très ingénieux. Je vais en parler à la Volpe et à Paola. Ils organiseront le soulèvement pendant que toi, tu libéreras les quartiers. Ça devrait marcher. Je vais m'occuper de ses complices. Votre attention, Radonato souhaite...